Tokyo, de quoi ça parle? On sait pas trop. Par contre, il faut savoir que cette ville vit complètement à la verticale. C'est-à-dire que pour trouver des endroits où bouger, il faut se balader dans les immeubles. Donc des fois, à des étages, tu tombes sur des restos, d'autres fois, il y a des boutiques de fringues, ou sinon, tu tombes des fois sur ça. Parce que j'ai des acouphènes. Donc voilà, là on est au DK Bar Z et il faut savoir que vous avez vu des trucs particuliers à l'intérieur, mais c'est aussi un peu spécial à l'extérieur parce qu'il faut savoir que là, il y a une déco toute particulière. C'est plus Toriyamesque. Là, on peut voir une grande fresque qui est complètement couleur de Dragon Ball parce que le patron est très fan de l'univers. Il est ici représenté avec sa meuf par-dessus. Chacun fait ce qu'il veut. Et donc, il y en a un peu partout. Chaque personnage représente un des membres du club. Et là, celle-ci pourrait être la grand-mère du boss parce qu'il faut savoir que sa grand-mère a 85 ans et que c'est la plus vieille DJ du monde. 85 ans, mixer et avoir la pêche, ça vaut le déplacement, rien pour ça. Elle, je sais pas si elle y est, mais je vais quand même tenter de la découvrir. Du coup, j'y retourne. Vai-vai, c'est bon, ça va, je vai-vai, j'ai compris. Mais quand même, les serpents, tous les serpents pour rien, 5 ans que je dresse les serpents, le parapluie Décathlon, le truc de Jordan's période paillette, tout. Je me casse, je me suis fait virer de la soirée fric, apparemment je suis trop normal, pardon. Bonjour et bienvenue une nouvelle fois dans l'expérience interdite culinaire, à nouveau avec Cyril Marchiol comme invité. Cyril, bonjour. Bonjour. Ça va? À fond, plus que longtemps. Aujourd'hui, nous allons goûter ça. Ça ressemble à ça. C'est quoi l'or du coup? C'est... Ouh là là, ça sent très fort. Ouh là, ça se décompose sous forme de... Non, c'est pas possible. Ça de pâte de... On dirait un peu des bras de Cthulhu, pour ceux qui connaissent un peu leur craft. Voilà, il y a un côté grand ancien. Allez, il faut manger du grand ancien, comme tout le monde. Courte paille. Waouh. Waouh. Dégustation. L'odeur. À 3. 1, 2, 3. Mmh. Ouh là là, c'est un goût de pied. Là, c'est vraiment pas bon. Ah non, c'est pas bon. C'est vraiment le top du top là. Ça a la. Ça a la consistance d'un ongle. Ouais, ouais. Exactement. Et le goût de... Bah des pieds. Je pleure pour de vrai. Je pleure pour de vrai. Ça m'a provoqué une... Ça m'a provoqué une larme. C'est-à-dire que je suis pas triste. Et... Voilà, putain, faut pas donner ça aux gens. Oh, faut pas vendre ça. Vendre ça, c'est pas possible. Et bien aujourd'hui, on a mangé des bras de Cthulhu. Petite dégueulasse. Les bras de Cthulhu, mangez-en. À la prochaine. Sacré point. Oh là là! Et l'odeur elle vient juste là.